Le prochain maillon de la chaîne sera Elisa Dauban, qui fait partie des éditions Le Pas d'Oiseau et qui est aussi maquettiste. Le Pas d'Oiseau, c'est, vous voyez, les granges en Ariège qui font comme un escalier, hein, comme ça. En fait, c'est un élément d'architecture. Ça s'appelle les Pas d'Oiseau. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le logo. Ça refait un petit peu la silhouette des granges. Voilà. Le premier livre qui a été édité, c'était donc en 2005. Il a été écrit par mon collègue, puisqu'on est deux Pas d'Oiseau, moi et Henri Tavernet. Il a conjugué donc ses deux passions, le vélo et l'amour de la montagne. Hein. Voilà, c'était son premier bouquin. Voilà. Ensuite, ça en est suivi plein de livres, puisque maintenant on en est à plus de 60. Et donc, au départ, c'était quand même bien orienté vélo et littérature, un petit peu, hein, avec toute cette série. Alors, voilà, Alfred Jarry, ça c'est un des premiers qu'on a édité. C'est plutôt orienté texte littéraire que sur les exploits et la performance des grands sportifs. C'est aussi un petit peu basé sur la nostalgie aussi, de toute une époque. On a une ligne éditoriale aussi orientée histoire de l'Ariège, avec, bon, parce qu'il y a une histoire riche avec l'histoire des passeurs en Ariège. Il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Il y a une demande actuellement des petits-enfants de ces gens-là qui ont connu la guerre pour comprendre ce qui s'est passé. Et vraiment, il y a vraiment un retour sur cette histoire, quoi. C'est la période, quoi. C'est maintenant qu'on a envie d'en parler et de comprendre ce qui s'est passé. Il y a des livres de photos, voilà, de photos sur les Pyrénées. Ça, c'est une photographe qui nous a fait ça, un bouquin sur une très belle photo sur les vestiges des Pyrénées. Alors moi, au départ, je suis graphiste. Ensuite, bon, il se trouve que je me suis mis à faire des maquettes pour des livres. On peut dire que je suis maquettiste. Et je faisais déjà des maquettes avant de créer la maison d'édition. Je faisais des maquettes pour d'autres maisons d'édition. Voilà. Et d'ailleurs, je continue toujours à faire des prestations extérieures, comme par exemple La Malédiction du Loup. Bon, c'était très intéressant parce qu'on travaille en équipe avec d'autres personnes. Voilà. Alors ça, c'est un bouquin sur l'archéologie pastorale. Ils m'ont fourni des schémas, eux, qu'ils avaient faits. Mais bon, moi, j'ai dû les enrichir, les rendre un peu plus digestes, quoi, pour le lecteur. Ben, j'ai refait la légende ici, pour que ça aille dans un petit bloc. De même pour ce schéma, j'ai rajouté des petites flèches. J'ai fait en sorte d'unifier les légendes absolument partout. Je reçois aussi des photos. Alors les photos, c'est pareil, il faut les traiter. Il faut que le texte rentre dans une certaine surface, ainsi que les photos. Et je peux dire qu'en fait, je joue à Tetris toute la journée, quoi. Il faut que ça rentre ici, il faut que ça rentre là. Voilà, le livre concret. C'est pas pareil quand on le voit à l'ordinateur et qu'on le voit imprimé. Je dirais que lorsque je commence un bouquin, bon, j'établis quand même une charte graphique avant de démarrer, je me dis bon, il aura cette allure, il aura, bon, il sera comme ci, comme ça. Mais une fois que je construis le livre, il y a un moment où je sens rien, je me dis ah, ça va pas. Je commence à triturer la maquette, à changer ci, changer là, les couleurs. Et à un moment donné, le livre il prend vie, quoi. Et là, je me dis ah, c'est bon, là, ça marche, c'est ça qu'il faut, quoi. Le maquettiste travaille en collaboration, en échange permanent avec les auteurs, l'éditeur ou le secrétaire de rédaction, voire même les photographes, hein, c'est vraiment un travail d'échange. Donc il faut que je tienne compte de leur choix, de leur avis. Il faut que j'oublie un petit peu mes goûts personnels à moi, quoi. Parce que moi j'ai envie de me faire plaisir, de faire des choses qui me plaisent. Et ben, non, ça ne marche pas tout le temps. Il faut toujours faire des compromis. Et valider des choix, par exemple ben, un choix de typo, un choix de couleur, une orientation graphique du livre, quoi, voyez-vous. Une fois que le livre est fait, moi je dirais quand même, en règle générale, c'est toujours gratifiant
Non, les auteurs, ils sont toujours contents, quoi. Ils nous remercient. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, c'est pas un milieu où on se fait. Où il y a des remontrances ou des choses comme ça. Nous, ils sont quand même très reconnaissants dans l'ensemble. Il y a toujours des auteurs, en fait, qui nous contactent et qui nous appellent. On n'a pas à aller les chercher, quoi. Et c'est là où on fait le tri et on trouve toujours quelque chose d'intéressant à publier, quoi. Dans les petites maisons d'édition, on permet à certains auteurs d'être présents dans les librairies. Autrement, je pense qu'avec les grands éditeurs, ils parviendraient jamais à toucher le public, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment une grande demande de la part des auteurs, en fait. Des petits auteurs, quoi, qui font leur travail. Souvent, ce n'est pas des professionnels, ce n'est pas des écrivains, ce sont des gens, peut-être des fois, à la retraite, des passionnés sur un certain sujet, et qui viennent nous voir. Et ils sont très contents de trouver quelqu'un qui puisse enfin concrétiser leur projet, quoi. Je pense que, de ce côté-là, je pense que oui, on a notre utilité. Oui, nous, je sais qu'on a vraiment édité des livres. Je me suis dit, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas été édités par des grandes maisons d'édition, parce que vraiment, j'ai trouvé ça très fort, quoi, très bon. Voilà. En ce moment, on est en train de boucler un gros bouquin sur les anciennes archives du pays méridional. Donc là, on est en train de boucler. Hein. La semaine prochaine, il part à l'imprimeur. Voilà.